Depuis plus de 30 ans, Leclerc rassemble les acteurs de terrain qui agissent au quotidien en faveur de la transition énergétique. Ce sont des associations, des collectivités, des entreprises, des organismes de formation. Après avoir inventé le métier de conseiller info énergie aux côtés de l'ADEME au début des années 2000, nous voyons dans la création par la loi de transition énergétique du service public de la performance énergétique dans l'habitat une reconnaissance bienvenue de nos efforts continus en faveur de l'intérêt général. Mais c'est aussi un défi que nous sommes prêts à relever pour être à la hauteur des enjeux et des attentes en termes de qualité de service pour les usagers, d'économie d'énergie et de production renouvelable supplémentaire, mais aussi de création d'activités et d'emplois qualifiés et porteurs de sens pour nos jeunes, et aussi pour la sortie des ménages modestes de la précarité. Plus que jamais, Leclerc est prêt avec ses adhérents à faire en sorte que les contraintes climatiques et énergétiques deviennent des opportunités pour nos territoires et leurs habitants. Dans le cadre de notre mission d'espace Info Énergie, nous avons accompagné la collectivité d'agglomération de l'Ouest Rhodanien dans la construction de son dispositif d'aide financière. Nous avons donc créé avec eux un outil qui s'appelle l'éco-passeport rénovation. C'est un système à points qui permet de visualiser rapidement les travaux à prioriser et qui permet également à la collectivité d'allouer ses subventions de manière efficiente et afin de répondre à ses objectifs TEPOS, c'est-à-dire valoriser les énergies renouvelables, les matériaux biosourcés et la rénovation globale et performante. Vous êtes donc à la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien, à Tarare exactement. La communauté de l'Ouest Rhodanien est engagée depuis de nombreuses années dans la transition énergétique. La plateforme de rénovation énergétique est en place depuis 2015, avec plus de 300 rénovations sur 2016. La communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien met en place le guichet unique, renseigne les habitants et accompagne les artisans sur les chantiers pour la formation à la rénovation basse consommation. Autre élément concernant notre dynamique TEPOS, on est bien sûr engagé dans une politique forte de développement des énergies renouvelables. On a donc un projet éolien sur le territoire, de la méthanisation avec injection et station de mobilité biogaz, des réseaux de chaleur bois parce qu'on est au cœur d'un massif forestier et des toitures photovoltaïques sur les toitures des collectivités du territoire de la Corse. Voilà l'engagement principal de l'accord dans la transition énergétique depuis de nombreuses années.